Yo tout le monde, c'est Pro, écoutez, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une boîte de 24 boosters Lord of Second Galaxy. Donc voilà, on va pas tarder. Donc bien sûr j'aimerais avoir Dracosac, Kirikayon et tout. Hop. Donc voilà. J'espère vraiment que j'aurai plus de chance que dans ma vidéo ouverture de Abyss Rising. J'ai pas mal ragé d'ailleurs. Voilà, donc alors attendez. Hop, comme ça. Et comme ça. Hop, voilà. Alors c'est parti. Donc moi je veux le 3 de 7. Requin J, boxeur montable, recharge aérienne, Tidal, ça commence bien. Hop, par contre je vais pas dire les noms. Hop, donc là les rares, deuxième booster. Hop, hop, hop. Pom pom fait des ténèbres en rare et rien. Hop, mental drain. Troisième booster. Alors, désolé si je parle pas beaucoup. C'est juste que là je suis concentré. Gigas go 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 en rare et rien. Un petit peu virer les boosters. Donc Gigavant, El Aurore, boxeur indomptable, voilà. Gargia engrenage en super, c'est pas mal. Hop. Donc ça, on va les mettre là. Ça nous dérangera pas. Donc le cinquième booster. Donc une bonne super déjà pour commencer. Zéro fine en rare. Et rien. Là après ça, hop. Quatrième booster. Excusez-moi. Sixième booster. Hop, 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 hop. Redox en rare. Donc c'est pas mal. On mangeait des bonnes rares. Redox et Antidal. Septième booster. Hop. Hop. Bon bah ça me fait mon deuxième, mon troisième mental drain, donc ça c'est déjà c'est parfait. Numéro 105, boxeur indomptable, étoile Cestus, donc de super rare et en rare buffle. On va la mettre comme ça, hop, c'est au pire, comme ça, voilà.
Hop, hop, hop. Merde. Oiseau totem en secrète. Donc voilà. Et un deuxième petit dalle. Donc homme. Hop. Donc c'est pas la pire, mais bon, c'est pas la meilleure non plus. J'aurais préféré un cardinal au pire. Il y a peu de chance, mais bon, on va espérer la deuxième secrète. Un bête fantôme méga méga raptor, super. Et un coup de tonneau en rare. Donc 4 foils. Trifor Teresops. Donc excusez-moi, ça a coupé. Donc en rare, boxeur indomptable enchaîneur. Hop. Et un autre mental drain. Ah, je suis un petit peu dégoûté là, d'avoir eu votre totem. Roue de la prophétie. Un numéro 605, boxeur notable, comète Cestus. Hop. Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 boosters encore. Par contre, on va un petit peu les remettre à l'endroit. Sombrero de la constellée en super. Hop. Ah, je crois qu'il y a lui ici. Non, il n'y a pas de lui. J'ai jamais de chance dans les boosters. Surtout dans les boîtes en fait. Je me tape les pires ulti, les pires ultra. Gantelet lanceur. Enfin, j'ai pas eu encore une ulti, mais bon, pour l'instant, je me tape les pires ultra. Thank you.
Un petit peu décalé comme ça. Hop. Il nous reste 4 boosters. Bon, 3 Tidal, hein, c'est pas mal. Tempest et New Magidolls. Pas mon dernier booster, donc on va prendre lui. Hop, 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 Blaster et Medium Harpy. Ça va. C'est pas dégueu. Et dernier booster. J'espère avoir quelque chose dedans. Enfin, là, je pense que j'ai tout eu. Je ne sais jamais. Et non, voilà. Retour au monde, donc on va passer à la récap de la boîte qui vient d'ouvrir. Donc franchement c'est loin d'être la meilleure des boîtes quoi. Encore une fois je suis encore dégoûté. J'achète toujours Ultra Jeu, je me fais toujours niquer. Donc voilà, donc je vais tout de suite ouvrir la récap. Donc 4 Mind Drain. Donc j'en garde 2 et j'en trade 2. Donc là je garde et là je trade. Ensuite niveau Elemental Dragon, j'ai 3 Tidal. Donc 3 Tidal bah, qui sont au trad. Un Redox, un Blaster, un Tempest. Que je vais trader aussi. Niveau super, donc une Nuit Magidolls. Un numéro 105. Un Bat Fantôme Mecha Raptor. Un Garga en grenage. Donc ça c'est. Non, un Garga grenage. Donc c'est pas mal ça. Je trade. Un sombrero de la constellée. Donc c'est fort pour le déconstellé. Ensuite, un gantelet lanceur en ultra. Donc voilà quoi, niveau ultra franchement je tapais les pires. Et un C105 en ultra. En ulti je vais choper une Medium Harpy en ultimate que je vais trader et qui est très jolie. Et un oiseau totem en secrète que je vais trader aussi. Donc voilà, donc en gros dans tout je garde que deux Mind Drain et tout ça. Alors attends. Je garde ça et je trade ça et ça. Et ça et ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, ça me fait vraiment plaisir. À commenter, voilà. Je mettrai mes recherches dans la description. Si vous n'avez pas de numéro chargé, j'irai voir vos binders. Donc voilà. Et pareil, je veux pas de vue de ça, voir mon binder ou vu ça tout court. Je veux que vous me disiez si vous avez de mes recherches ou pas. Sinon, je mettrai des vents monstrueux. Voilà. Bye YouTube.